Avez-vous déjà entendu parler de la légende du bateau fantôme? Jamais? Sérieux? Elle est pourtant bien connue, et puis ça tombe bien, il a coulé juste en bas de chez moi. Putain, faut vraiment que je rase toutes ces cannes à sucre. Ça devient le bordel. Eh bah oui, je vous raconte pas de conneries, regardez, il a coulé juste ici. La lune se lève, de l'autre côté le soleil se couche. Paraîtrait-il que les soirs de pleine lune à 3h du matin, on entend encore l'équipage hurler sous les ordres du capitaine. Eh oui, triste tragédie, ça arrive. Bon, et bien aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va donc aller visiter l'épave du bateau fantôme, qui est juste à côté de chez moi. Alors, il y a 2-3 trucs qui ont changé depuis l'épisode précédent, je vais tout vous expliquer, notamment ce petit plafond en bloc de lave, qui est juste magnifique, ça rend super bien. Si vous n'étiez pas là sur le live précédent, je vais vous faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. Nous avons donc été dans le Nether, puisqu'il nous fallait des bâtons de blaze, puisque souvenez-vous, j'avais parlé de crafter un alambic, pour pouvoir faire des potions aquatiques, et ainsi respirer sous l'eau. On a donc été dans le Nether, on a récupéré des bâtons de blaze, on a crafté un alambic qui est juste ici. Je ne sais absolument pas m'en servir. Je sais juste que quand tu mets du sucre, ça fait pas grand-chose. Ok. Écoutez, je pense que vous allez me dire tout ça dans les commentaires. Moi, vraiment, j'attends vos retours. Je ne sais pas comment ça marche. Il faut que je me crafte des potions aquatiques. Mais encore, avant d'aller visiter l'épave du bateau fantôme qui se trouve juste à deux pas de chez moi. Tiens, salut toi. Ça, c'est le fils à Sofiane. Regarde ce que je fais de ton enfant. Il va me haïr, mon gars. Ah, écoute, il traîne dans le couloir aussi, hein. Ça va bien 5 minutes, ces conneries, hein. J'ai plus de wagon. Bougez pas, on va en crafter un. Il y en a pour 2 secondes. Alors aussi, j'ose espérer que vous aviez remarqué qu'on a changé la salle des coffres, qui est faite toute de diorite. On l'a un petit peu agrandie. J'ai rajouté un coffre juste au-dessus. Donc, j'ai refait les coffres aussi, hein. J'ai collé les panneaux sur les coffres cette fois-ci. Sauf là. Bon, d'accord, très bien. Est-ce qu'on a un wagon ici? Oui, on a un wagon, yes. Il faut absolument que je vous montre ma mine. C'est juste un truc de ouf. Elle est vraiment grandiose, regardez ça. Bien sûr, j'ai rajouté des rails propulseurs un peu partout. Regardez maintenant ma mine. Hop là, c'est parti mon gars. Roulez pimpant. On se croirait pas dans Indiana Jones là-dedans? Oh, c'est tellement énorme, franchement. Ah bah voilà. Il était là, le wagon que j'ai loupé. Bah forcément, ouais, il vient de me freiner, quoi. Allez, mon gars, c'est parti, avance, là. Ah, putain, il va me faire chier, ce wagon, là. Non, attendez. Arrête-toi. je peux plus m'arrêter. Ça y est, c'est pas grave, je suis lancé, je peux plus m'arrêter, mon gars. C'est parti. Ok, donc là, voilà, ça monte. Voilà, ça monte, toujours, comme ça. Il y a des petits rails propulseurs un peu partout. On a fait ça très proprement, hein. Voilà, après ça va par ici, ça va par là, et hop, on est arrivé. Mais jusqu'où va-t-on pouvoir continuer cette mine des enfers? On se le demande. Allez, je retourne à la maison, c'est parti. Oh, c'est tellement stylé, regardez, cette fois-ci, il n'y a pas de wagon pour nous freiner. Ça va aller super vite, quoi. Ah, c'est vraiment trop stylé. Alors, on m'a dit de mettre des rails propulseurs tous les 5 blocs environ. Bah, comme vous le voyez, j'en ai pas mis tous les 5 blocs, et franchement, ça fait carrément le taf, quoi. C'est juste nickel. Voilà, hop, j'en ai mis 2 petits dans la montée normalement aussi. Donc ça doit monter nickel. Et hop là, tac, on est arrivé. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait, quoi. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a du verre, ok. Ici on a rien, ici on a du verre. Ah, va m'en falloir du verre, mon gars, parce que j'ai de grands projets justement avec ce verre. Écoutez, je pense que cette fois-ci, on n'est pas trop mal. Quel beau lever de soleil, c'est juste magnifique. Par contre, faut absolument que je rase toutes mes cannes à sucre là. J'en ai vraiment de trop. Ah bah je peux vous dire que je vais pas manquer de sucre, hein. Et bien voilà qui est fait. C'est nickel. J'en ai ramassé combien? Bien de trop, mon gars. Je vais voir si je peux aller faire la récolte du blé. Pas tout à fait, pas encore. Par contre, je peux faire la récolte des citrouilles. Ça, on va les ramasser. Voilà, nickel. Ah yes, nouvelle recette, je peux faire un gâteau aux citrouilles. Alors j'avais dit que je ferais une ferme en sous-sol. Ça c'est vraiment un grand projet qui me tient à cœur. Je pense qu'on va se refaire une petite pièce quelque part par ici. En tout cas j'espère que la série Minecraft vous plaît toujours autant. Si vous kiffez, n'oubliez pas le petit like. Ça encourage, ça motive, ça fait toujours plaisir. En ce moment je suis vraiment à fond de Minecraft. Alors bien sûr, je fais pas que ça sur la chaîne. Je n'oublie pas les autres qui ne sont pas intéressés par Minecraft. On fait un petit peu de tout ici. On a toujours fait un petit peu de tout d'ailleurs. En tout cas des fois si vous voulez voir du contenu un peu différent de ce que je pourrais proposer sur cette chaîne, je vous invite fortement à aller checker ma chaîne secondaire qui se trouve dans la description. Alors il est vrai que ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne, mais on n'est jamais à l'abri de voir popper une petite vidéo comme ça, on sait pas. Alors bien sûr, allez y faire un tour que si vous voulez voir du contenu différent de ce que je pourrais proposer ici. Bien que sur cette chaîne, nous sommes déjà très diversifiés, peut-être même un peu trop des fois en fait. Et du coup c'est vrai que bon, j'ai pas envie de tout mélanger quoi. Au bout d'un moment ça devient un peu trop bordélique et même vous, vous y retrouvez pas quoi. Je veux dire, à un moment je vous présente du Minecraft,
Le lendemain, je vous propose un vlog. Le surlendemain, je vous propose un unboxing. Le jour d'après, un jeu d'horreur. Enfin bref, vous avez compris, au bout d'un moment, vous y retrouvez pas vous-même. Mais ça a toujours été comme ça sur la chaîne. J'ai toujours été très diversifié. J'ai toujours fait tout ce qui me passait par la tête, en fait. Je me suis jamais mis de barrière. Et du coup, ça peut faire défaut par moment parce que toute la communauté est très dispatchée. Chacun attend ses vidéos. Par exemple, ceux qui regardent Minecraft ne regardent pas des jeux d'horreur. Ceux qui regardent des jeux d'horreur ne regardent pas Minecraft. Ceux qui regardent Roblox ne regardent pas Minecraft et les jeux d'horreur. Il y a des gens qui se sont abonnés juste pour voir mes vidéos IRL. Il y a des gens qui se sont abonnés juste parce que je faisais des vidéos réactions. Du coup, vous avez compris le principe. Il y a vraiment tout un tas de contenu sur la chaîne. Et je pense qu'on va arrêter de tout mélanger comme ça. C'est pour ça que je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne secondaire. Là, ça m'a pris littéralement une plombe à faire ça. Mais franchement, je suis content de ma petite pièce. Ma pioche en diamant est quasiment pétée, on peut le dire. Et en fait, ici, ce sera donc ma nouvelle ferme. Ouais, j'ai vraiment envie de faire un truc bien, tu vois. Déjà, va falloir que je rechoppe du diamant, ça c'est sûr. Ah ouais, ça fait quand même une sacrée pièce, quoi. Voilà, pierre que j'ai chopée, mais laisse tomber, mon gars. J'en ai tellement. Écoutez, on va acheter tout ça, déjà. Le gravier, ça aussi, on n'en a pas besoin. Ouais, par contre, j'ai plus de diamants, quoi. Laisse tomber, mon gars. C'est la misère, hein. Ferraille, j'en ai plus tant que ça. Des outils, j'en ai plus tant que ça non plus. Il faut que je refasse du bois, voilà. Et il faut que je refasse aussi des bâtons. Je vais en avoir besoin, mais grave. Du charbon, ça va, du charbon, on a pas mal quand même. Je devrais mettre une table de craft ici, là, dans ma salle des coffres. Ça m'évitera à chaque fois de faire des allers-retours dans le vent. Tout est une question d'optimisation. Voilà, on va faire quelques torches. Ouais, c'est pas mal, là. On va faire 2-3 pioches. Allez, 5, soyons fous. On va tout de suite aller fouiller l'épave du bateau fantôme. Ouh, ça pleut. À ce qui paraît, l'ambiance est encore plus pesante quand ça pleut. Très bien, on va tout de suite aller voir ça. Bon, écoutez, je crois qu'on y est. Attendez, non, on n'y est pas du tout, en fait, là. Il est où, le bateau? Regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne serait-ce pas un bloc de magma? Mais je crois que si. On va le ramasser. Voilà. Très sympa, cette petite architecture. Ok, le bateau est là. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Allez, c'est parti. Let's go. On va voir ce qu'on peut ramasser. Ah, on a un coffre déjà. Allez, mais est-ce qu'il veut pas... Il n'y a pas moyen, gros. Ah, bah quand même. Ah, ah oui, joli. Au bout d'un moment, je vais plus descendre, quoi. Il n'y avait pas un coffre dans le coin. Si, il y a un coffre. Il y a un coffre juste ici. Oh putain. Ouh la vache. Ouh la vache. Ouh, je me noie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du papier. Ok, putain, je suis en train de couler. C'est quoi ça? Tunique en cuir? Ah ouais, enchanté. Protection contre le feu. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être très sympa, ma foi. Voilà, on fait un petit peu de ménage quand même. On va récupérer le coffre. Il y a encore une pièce à visiter, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y avait encore une pièce à visiter quelque part par là. Attendez, on va casser ça. Ou alors, j'ai halluciné. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah non, on est juste sous le bateau, quoi. Ouais, il y a vraiment rien d'autre. Paraîtrait-il qu'on entendrait le capitaine les soirs de pleine lune hurler dans sa cabine. C'est une rumeur, hein. Vous savez, comme toutes les rumeurs, faut s'en méfier. Mais j'y crois, moi, à ces choses-là. Ah, tout ce qui touche au paranormal et tout, ça, c'est vraiment des trucs qui me fascinent, quoi. Non, en vrai, la vérité. Bon, je crois que c'est pas trop mal. Du coup, on a récupéré quoi? Pas mal de papier. L'armure du capitaine naufragé. Par contre, ce qu'il nous faut maintenant... ce qu'il nous faut, c'est du diamant, hein, clairement. On va aller chercher ça. Allez, c'est y part. Let's go. Allez, bisous les michetos. Ouais, tellement stylé, quoi. On va aller voir tout au bout de la mine ce qu'on peut trouver. Par contre, va falloir justement que je continue ma mine. Alors, pour ce qui est de la suite de Minecraft, quand il y a beaucoup de trucs à faire et tout, je vous invite à venir nous rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Et des fois, je démarre des petits lives comme ça. Et puis, on avance ensemble. C'est franchement cool. Oh, regardez ça. Je suis retombé sur une mine. Alors, à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit déjà une mine que j'ai creusée. Parce que j'ai creusé un peu de partout, en fait. Pour tout vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah ouais, yes, ok, d'accord. Ouais, j'ai vraiment creusé partout, quoi. Donc là, ici... Ok, ok, je vois. Je vois, je vois, je vois, je vois. Faudrait vraiment que je continue ma mine par ici. Donc, les rails continueraient par ici, voilà. Par contre, va falloir que j'agrandisse ça. Du coup, voilà. Va me falloir aussi des nouvelles torches de redstone. Ça pourrait continuer par là, ensuite.
D'accord, ça descendrait par là. Ok, ça c'est quoi? C'est de l'obsidienne ça, non? C'est de la bedrock. Attendez, je vais pas péter ma pioche en diamant là-dessus. Les mines sont vraiment profondes ici, hein. Bah, je dis ça en même temps, c'est moi qui les ai creusées, quoi. Ok, après ça revient par ici. Ah ouais, non mais carrément! Ah du coup, ok, du coup ça revient là. Ouais, super stylé, franchement. Je pourrais vraiment faire un truc, tu vois. Je pourrais, voilà, ça pourrait faire carrément tout le tour, quoi, et revenir jusqu'ici. Ok, d'accord. On pourrait peut-être trouver un peu de diamant si on creusait par ici. Je vais voir, hein, on va creuser. C'est pas du gold, ça? C'est du gold ou de la ferraille? Non, c'est du gold, ça, ouais. Ouais, yes. C'est pas forcément... Oh, bah tiens, regardez. Du diamant juste en dessous. Bah, c'est parfait. 4, 5, ouais. Bon, 5 diamants. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Merde, ça y est. Ma pioche en diamant est morte. J'entends de l'eau juste à côté. Ah, ça va tout de suite moins vite avec la pioche en fer. Quand t'as été habitué à celle en diamant, la différence se ressent tout de suite. Hein. Ah bah d'accord. What the... What? Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais en train de creuser tranquillement quand tout à coup... Je me retrouve à, dehors. Voilà, ok, d'accord. Et où est-ce que je suis, là? Mais où est-ce que... Oh, attendez, parce que je sens que je vais me perdre. Ok, d'accord. On va y aller tranquille. On va poser des torches ici. J'ai l'impression que je suis dans une cavité, là. Ouais, j'ai l'impression que je suis dans une cavité. Attendez, qu'est-ce qu'on a par ici? Je vais me noyer. Vite. Je vais me noyer. Non. Il me faut des potions. Il me faut v'là les potions, quoi. Ok, d'accord. Donc, pas de diamant par là. J'ai vraiment creusé un très long couloir. On va continuer à côté. Oh. On a de la lave juste ici. Par contre, on n'a pas de diamant. Écoutez, on va continuer. Hein. Oh, yes! Nickel. Ouais, bah, ouais, en fait. Juste un, mais c'est pas trop mal, tu me diras. Bon, un diamant, c'est toujours ça de prix. Ça nous en fait 6. C'est plutôt pas mal. Encore une mine ici. D'accord, mais... Putain, mais j'ai vraiment creusé de partout, moi. Je te jure, il y a toutes les lignes qui se relient là-dedans. Oh. Où est-ce que je suis atterri encore? Je vous épargne les séances de minage, mais voilà, le couloir parle de lui-même. Ça fait littéralement 3 quarts d'heure que je suis en train de creuser dans les murs. Hein. Je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Attends. Je te jure que ça me dit quelque chose ici. Wow. Alors, je suis baissé là. Attends. Je te promets que ça me dit quelque chose ici. Est-ce que je serais pas retourné à ma base? Attends, je te jure. Attends, je vais juste monter. Putain, mais ouais, c'est excellent, quoi, par ici. On peut vraiment respirer partout. En tout cas, mais il y a masse de blocs de lave ici, là. Non. J'ai l'impression que je suis pas retourné à ma base. Pas du tout, en fait. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de blocs de lave. Tiens. Oh, viens ici, toi. Un saumon, mon gars. Y a rien. Elle est où la sortie, là, déjà? Attendez. Ah, ok, d'accord, elle est là. Ouais, bah, y a rien ici. Hein. Y a rien du tout. Je vous dis, je vous épargne les séances de minage, mais tout ça pour ramasser 6 petits diamants. Hein. Et je peux te garantir que des kilomètres de ligne, mon gars, c'est pas de ça qui manque. Hein. J'en ai fait. Oh, yes! Diamant. Allez, dis-moi qu'il y en a quand même un petit peu, là-dessous. Ouais, yes, pas mal. Ouh, j'allais oublier celui-ci. Yes, pas trop mal. Combien? 12. On va continuer un petit peu. Faudrait que j'en trouve un peu plus, quoi. Bah, attendez, je vous dis ça, mais il me reste qu'une pioche. Hein. Sur les 5-6 que j'ai crafté. Ça, c'est du gold. On ramasse quand même. On laisse pas ça traîner. Hein. On n'oublie pas d'où on vient. Oh. Est-ce que j'aurais découvert une nouvelle caverne? J'en ai bien l'impression. Oh, du diamant. Oui, je prends. J'en veux. Il y en a combien? 4? Ouais, 4. C'est pas trop mal. C'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici?
Ah ouais, c'est vraiment une petite caverne, quoi. Mais bon, on a bien fait de s'y arrêter, du coup. Oh, une autre caverne. D'accord, ça continue par ici. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ouh. Et ça a l'air plutôt immense par là. Déjà, on va reboucher ça. Voilà. C'est plutôt bien immense par là. Ok, donc là, c'est un cul-de-sac. On fait tout de même de sacrées découvertes dans cette game, je trouve. C'est plutôt cool. Oh, ça continue encore. Ouais. Ah, d'accord, ok. Oh, j'ai l'impression que ça donne sur l'océan. Alors, attendez. Voilà, on va casser ça. Ouais. J'ai l'impression que ça donne sur l'océan. Ah, mais c'est que ça... Mais non. Mais si. Mais où est-ce que je suis, mon gars? Elle est où ma base là? Attendez, 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 attendez. 2 secondes. 2 secondes. Voilà, il y a une crevasse juste ici. D'accord. Je vais poser 2-3 torches. Histoire de. Voilà. Merde, celle-là elle tient pas. Celle-là elle tient. Ouais, celle-là elle tient. Comme ça me fera un petit peu de lumière pour me dire où est-ce qu'on est. Ah ouais. Ouais, d'accord. D'accord, mon gars. D'accord. Mais où est-ce que je suis là? Hey, je vous le dis, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres sous la mine, mon gars. Je suis parti, mais v'là trop loin. Mon Dieu, si je devais être perdu sur cette île, bah je serais pas dans la merde. On va aller tout de même sur cette grande île. Oh, c'est quoi ça là-bas? Non, c'est le soleil qui se lève. Mais regardez-moi ce lever de soleil qui est juste magnifique, quoi. Sur la belle baie de Minecraft. Waouh, c'est terrible. C'est tellement magnifique avec le shader et tout. J'ai envie de chialer, quoi. Mais où est-ce que je suis parti, mon gars? Bon, en tout cas, maintenant, je sais que si je continue dans ma mine. Bah j'arrive là-dedans quoi. C'est aussi ça Minecraft. C'est partir à l'aventure et pas savoir dans quoi tu t'engouffres. Pas savoir sur quoi tu vas tomber. C'est ça qui est excitant, voyez-vous? Ça se trouve, je vais rencontrer des joueurs hein, parce que je vous rappelle qu'on est en multi. D'ailleurs, si vous voulez venir jouer, vous avez le serveur qui est dans la description. Regardez, il y a quand même un peu de monde sur le serveur là. Ouais, je vais peut-être croiser des joueurs, mon gars, va savoir. Des lamas, quoi. Mais non! Des poulets, des lamas, mais tout le monde vit en harmonie par ici. Alors, honnêtement, je vous le dis, si je m'aventure comme ça, c'est parce que je sais très bien que si je fais un slash à cette home, je retourne chez moi, quoi. Un village, mon gars? Mais je vais tout de suite noter la position. Attendez, 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 là, ça va plus, là. Je vais juste regarder où est la position de ma baraque et je regarde où est-ce que je suis. Ah ouais, mais en fait, mais je suis pas si loin que ça de ma base, quoi. Je suis à peine à 1000 blocs. Attendez, ce que je vais faire, je suis à 1000 blocs de chez moi. Je vais essayer d'y retourner à pied. Comme ça, j'aurai le village qui est pas loin, je sais où il est. En fait, je vous dis, je suis à 1000 blocs de chez moi, mais je suis même pas à 1000 blocs de chez moi, à peine. Tiens, c'est dingue, ça. Le monde est petit, en fait. Ma base n'est pas si loin que ça. J'ai eu l'impression... Mais laisse tomber, toi. Je vous jure, j'ai eu l'impression d'aller trop loin, quoi. Ça fait juste 1 h 17 que je suis en train de creuser. Rien que ça. En fait, j'ai tourné en rond dans la mine, quoi. Attendez, on va tenter de retrouver ma base. Normalement, je suis pas si loin que ça. C'est vraiment une pure coïncidence. Écoutez, si j'en crois les dires, ma base se trouve quelque part dans cette direction. Ah, c'est pas possible, attends. Ah bah si, c'est possible. En principe, elle est vraiment pas loin, là. Elle est vraiment très proche, ma base. Elle doit être tout droit. Je devrais même tomber sur ma baie vitrée si tout se passe bien. C'est dingue quand même, cette coïncidence. Attendez, je vais remonter le nez. En principe, ma base est tout droit. Ah, hein. Oh, mais regardez ça! Mais ouais, mon gars! Mais... Ah putain, mais c'est pas vrai! Mais c'est ma baie vitrée! Cette coïncidence, mon gars. Je vous jure que j'ai creusé pendant mais je sais pas combien de kilomètres, quoi. Eh, la vérité, ça fait... Mais laisse tomber, toi. Ça fait trop longtemps que je creuse. J'ai pas été si loin que ça, en fait. Ah, je pensais que j'étais parti à l'autre bout de la map, moi. Du coup, bah écoutez, j'ai découvert un village. Ah ouais, mais c'est ça? Mais regardez. Mais le village, en fait, il est sur l'île, là-bas. Bah voilà, écoutez, on saura que sur l'île, là-bas, cette île... Il y a un village. Et si je faisais des rails pour arriver jusqu'au village? Oh, ce serait tellement énorme, quoi. Bon, au moins, écoutez,
On est rentré à la maison, mais j'étais pas si loin que ça en fait. On va aller faire le bilan un petit peu parce que j'ai quand même récolté pas mal de diamants, je vous le rappelle. J'en ai récolté combien? 16. Donc 34 fer, 23 or. On va tout de suite aller mettre ça à fondre d'ailleurs. Ah mais c'est terrible quoi. Au moins là, je suis content de ce que j'ai fait quoi. J'ai fait ma petite salle pour accueillir les prochains habitants. Donc, bien sûr, ce sera des moutons, des porcs, des vaches, tout ça, tout ça. Et c'est dingue quand même. Ouais, j'étais vraiment pas loin de ma baie vitrée, quoi. C'est un truc de fou. Divers blocs de magma. Ah ouais, mais j'ai pas mal de blocs de magma, c'est vrai, je vous l'avais pas dit, mais du coup, quand on a été dans le Nether pendant le live, on a récupéré masse de blocs de magma. Hein. La nourriture. Bon! Eh ben c'est pas mal, franchement, j'ai envie de dire. Bon, écoutez, les gens, on va se laisser là dans ma baie vitrée. En tout cas, si vous voulez venir jouer avec nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rejoindre le serveur play.prilaria.net. Juste, si toutefois vous tombiez sur ma base, voilà, ne la touchez pas. Vous avez le droit de la visiter, tel le musée du Louvre. C'est vrai que c'est une œuvre d'art, hein. Ça attire l'œil tout de suite quand on voit une telle beauté. Je ne vous le cache pas. Mais voilà, juste ne touchez pas ma baie vitrée, franchement. J'y ai passé tellement de temps et mis tellement d'amour à la confectionner. Ça me ferait vraiment mal au cœur. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous faites péter le like. Ça me ferait super plaisir. Bien sûr, vous pouvez aller checker les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Vous pouvez également acheter vos jeux moins chers sur G2A avec le code JOLAT. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye.